C'est lundi dernier que Vivaldi a orchestré sa grande soirée d'accueil de la population saisonnière de Val d'Isère. Il a fallu pour cela l'engagement bénévole de 30 personnes afin d'assurer une logistique parfaite, permettant notamment de préparer 500 plats offerts à toutes les personnes présentes. Moi, je pense que l'association fait beaucoup de bien pour les gens qui travaillent dans la session. Et je suis très contente si je peux aider à contribuer, que ça marche au mieux. Différentes choses, c'est ce soir ou quand on fait le nettoyage de la montagne. La présence de la médiathèque, l'aide des services techniques, du centre des congrès, du club des sports, de Spar pour les repas, de la STVI et de la région Rhône-Alpes n'ont pas été de trop pour participer au succès de cette soirée qui a accueilli jusqu'à minuit plus de 600 saisonniers. L'idée ce soir, c'est d'accueillir tous les employés de la station, tous les gens qui sont la force vive de la station et de l'accueil touristique de Val d'Isère. Donc soirée très agréable, très conviviale. On a un buffet gratuit pour tous les employés de la station, on a tous les ateliers qui sont là et on a évidemment une petite buvette avec de la musique. Alors, tout le monde passe un bon moment. Les gens qui étaient là l'année dernière et qui reviennent retrouvent les gens qui étaient là l'année dernière. Ceux qui font leur première saison cette année rencontrent les gens qui font leur première saison aussi. Enfin, c'est très convivial, c'est cool. Ceux-ci ont d'ailleurs unanimement reconnu l'intérêt de ce type de soirée. Alors nous occupons d'un chalet particulier, donc nous travaillons ensemble dans le même chalet et ça fait 3 ans qu'on travaille à Val d'Isère. C'est de plus en plus intéressant et on n'est pas prêt d'arrêter, je crois. Une fête particulièrement réussie donc, sans débordement malsain. Réussite totale pour ce rendez-vous qui est maintenant inscrit en chaque début de saison à Val d'Isère.